honorable président, honorable membre du bureau, honorable député d'Inélie du peuple, au terme de l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024, la composition du gouvernement se présente de la manière suivante. Les vice-premiers ministres sont vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani Louko Diango. Protocole, chaque fois qu'on appelle un vice-premier, un ministre d'État, un ministre délégué, un vice-ministre, vous les conduisez sur le podium. C'est eux qui vont travailler au quotidien pour le bien-être des Congolais. Et il est tout à fait normal que les Congolais découvrent leur visage aujourd'hui, à part quelques-uns, comme Jean-Pierre Bemba, j'ai vu là, les Diaou, il y en a qui sont connus déjà. Hein. Oui, bon, je vois que Kibasa voulait que je cite son nom, je le cite aussi. Félicitations, Jacquemin. Merci. Saluez la plénière. Jacquemin, pouvez-vous vous mettre ici, là, là. Non, là, comme ça, les autres vont décaler comme ça. Vous pouvez poursuivre, madame la première ministre. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Félicitations. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, monsieur Guy Kabombo Mudiambita. Vous allez rester là-bas. Félicitations. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, monsieur Daniel Moukoko Samba. Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, monsieur Jean-Pierre Liaou et moi. Du plan et de la coordination de l'aide au développement,
M. Guilaniembo Mouisa. D'État, nous avons M. Grégoire Moutial Moutom Kangaji, ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Je vais demander au vice-premier ministre de saluer une deuxième fois la salle et reprendre leur place. Puisqu'il y en a qui commencent à se fatiguer, c'est Jean-Pierre Bemba qui m'a fait le signe. Alors applaudissez-les, s'il vous plaît. Soyez galants, ils sont chez nous, honorables députés. Bien. Vous pouvez poursuivre, madame la première ministre. Madame Thérèse Kayi Kwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Félicitations. Merci. Madame Raissa Maloudinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Madame la ministre d'État de l'Éducation. Merci. Madame Eve Bazaï Bamassoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Félicitations, Madame la ministre d'État, pour votre reconduction. Merci. Monsieur Alexis Guissarou Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Monsieur Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre du Budget.
félicitations, monsieur le ministre d'État, pour votre reconduction au gouvernement. Madame Acacia Badubola Mbongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Félicitations pour votre nomination en qualité de ministre d'État. Monsieur Muhindo Nzangi, ministre d'État, ministre du Développement rural. Monsieur Guy Loando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Nous avons Monsieur Doudou Fouambali Koundé, ministre des Finances. Madame la Première ministre, nous avons demandé au ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres d'État, saluer le public et allez vous rasseoir. Madame Marie, ministre. S'il vous plaît, Madame la Première ministre, je crois que vous avez oublié le ministre d'État à la justice. Je crois qu'on a oublié le ministre d'État à la justice. Effectivement. Avec toutes mes excuses, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur Constant Mutamba Tumbunga. Ministre de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries. Le
prie. Monsieur Teddy Luamba Mouba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Monsieur Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, ministre des Mines. Monsieur Ephem Akwakwa Nametou, ministre de l'Emploi et Travail. Monsieur Crispin Badou Panzou, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Madame Chantal Chambou Mouavita, ministre des Droits humains. Monsieur Samuel Roger Kamba Moulanda, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Madame Safi Sombo Ayane, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Monsieur Aimé Molendo Sakombi, ministre des Hydrocarbures. Monsieur Gilbert Kabanda Rouenga, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Monsieur Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Numérique. Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre du Portefeuille. Madame Nathalie Mounana Aziza, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Monsieur Julien Paloukou Kaongia, ministre du Commerce extérieur. Monsieur Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'Intégration régionale. Monsieur Patrick Mouyaya Katamboué,
ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement. Monsieur Marc Ekila Likombio, ministre de la Formation professionnelle. Madame Léondi Kandolo Omoyi, ministre du Genre, Famille et Enfants. Monsieur Jean-Pierre Timanga Bouana, ministre de la Pêche et Élevage. Madame Yolande Elébé Mandembo, ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Monsieur Didier Pambia Moussanga, ministre du Tourisme. Monsieur Didier Boudimbou Ntumbwanga, ministre des Sports et Loisirs. Madame Noëlla Aéganagato Nakwipone, ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Ministre délégué, nous avons. À Madame la Première ministre de nous laisser d'abord demander au ministre de saluer. Alors, félicitations. Vous saluez le public et puis vous regagnez votre place. Au titre de ministre délégué, nous avons Madame Bestine Kazadi Ditambala, ministre déléguée près de la ministre, près le ministre des Affaires étrangères, en charge de la coopération internationale et francophone. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville. Madame Stéphanie Mbongo Mwamba, ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat. Félicitations.
Merci. Félicitations. Madame Irène Essambo-Diatta, ministre déléguée, près le ministre des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap. Basée sur le handicap, donc il est question de sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur tout ce qui est fait sur le plan légal. Il y a des textes qui existent aujourd'hui qui les protègent. Donc à la liste de tout ce qu'elle a réalisé, madame Irène, qui est avocate et qui a beaucoup milité dans la société civile, donc il faut ajouter à cette liste la loi rendant obligatoire le taux de 5% de recrutement de l'administration publique et de 3% chez les privés. Donc elle l'a dit lors d'une interview, j'ai compris que je devrais travailler dans la durabilité pour que les personnes vivant avec handicap ne soient pas d'éternels nécessiteux. Il faut préserver tous ces acquis. Voilà. Et il y a également le dictionnaire en langue des signes qui existe depuis pratiquement une année déjà. La cinquième langue nationale dans notre pays devrait être celle des signes. C'est ce qu'a dit la ministre. Nous avons élaboré le premier dictionnaire de la langue des signes. Parmi les obstacles, cette langue ne se parle pas partout de la même façon. Nous avons appelé les interprètes et nous avons travaillé pendant 12 mois. Donc c'était un travail de longue haleine, mais elle a réussi. Et donc il y a beaucoup de réalisations. Au titre de vice-ministre, nous avons Madame Eugénie Tchela Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Ministre délégué de saluer la plénière et le public et de rentrer dans la salle de prendre une place. Merci. Maman Irène Pesson-Gibbon. Madame Gracia Yamba Kazadi, vice-ministre des Affaires étrangères. Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice et Contentieux International. Maposo, vice-ministre du budget. Madame Onège Nsele Mpimpa, ministre des Finances. Monsieur Sami Adubango Awoto, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant.
Monsieur Jean-Pierre Kézamoudrou Moussissiri, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Monsieur Godard Motemona Kiboloumé, vice-ministre des Mines. Vice-ministre des Hydrocarbures. Et enfin, Mouamindézé Katourébé Jean-Baptiste, vice-ministre des Affaires coutumières. Saluer encore une fois les députés et l'assistance et regagner leur place. Qui nous permet de voir les images, mais sinon on serait en difficulté. Et pour faire ce reportage et cette retransmission, voilà, apparemment on a fini, hein, on a fini avec cette étape des présentations des membres du gouvernement par la première ministre, madame Souminois, Patrick Kamala. Un petit mot sur la composition de ce gouvernement.